L'Institut africain de management IAM, devenu l'Université de l'Unité africaine UA depuis 2020, célèbre ses 15 ans d'existence. Avec un effectif de 211 étudiants en 2007, l'Université de l'Unité africaine compte de nos jours plus de 1600 étudiants de différents pays. Et ce sont plus de 17 000 étudiants de plus de 30 nationalités qui ont fait confiance à l'UA durant ses 15 années d'existence, a laissé entendre Ahmed Moussa Diallo, président du conseil d'administration de l'UA. Pour célébrer donc toutes ces années de formation, les premiers responsables de l'université ont décidé de jeter un regard dans les rétroviseurs tout en pensant à des innovations. C'est de continuer à améliorer l'offre de services, l'offre de formation et surtout introduire des certificats comme l'anglais et puis des formations et des certificats en informatique pour permettre à nos étudiants d'être plus performants et d'être proches des recommandations, des exigences du monde du travail. Parce que la vérité, c'est l'insertion des étudiants dans le monde de l'entreprise. Durant cette célébration des 15 années de vie, les étudiants de l'UA participeront à des activités qui leur permettront de mieux comprendre le monde du travail. Il est prévu de mai à novembre 2023 une quinzaine d'activités édificatrices selon Alioune Benga, directeur général de l'UA. Il y a le concours d'excellence pour les élèves des classes de terminale, il y a le concours sur l'entrepreneuriat, nous avons aussi la rencontre avec les modèles de réussite, le partage d'expérience donc avec les chefs d'entreprise. Donc vous voyez, 15 activités, c'est quand même beaucoup. Mais nous l'avons fait pour faire ressortir l'ensemble, faire participer plutôt l'ensemble des acteurs qui ont participé à la création et le développement donc, de cette université. Parmi les activités figure également la mise en place d'un dispositif de certification pour renforcer les compétences des étudiants face aux défis actuels. La mise en place d'un centre de cas permanent de capitalisation des pratiques d'entreprise locales pour usage pédagogique et une œuvre caritative. Notons que l'UA compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'offres de formation avec 25 diplômes accrédités par le CAMES.